Eh bien salutations à tous gamers et gamers, c'est Doc et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière comme vous avez pu le voir en introduction. En introduction vous avez pu voir différents produits, différents matériels que je dispose, dont je dispose et que j'utilise à l'heure actuelle. À l'heure actuelle donc j'utilise le clavier que vous avez vu, la souris, le tapis de souris que vous avez vu, ce casque et vite fait ce micro. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu mettre au point un petit peu ce qu'il y a au niveau de mon stuff, puisque la question se pose évidemment et je préfère faire une vidéo un peu plus travaillée on va dire niveau de mon stuff. Donc en fait ici nous disposons de quoi déjà, d'un bras de micro de chez Rode, le Rode PSAA, donc un très bon bras de micro je trouve, qui coûte aux alentours des 70-70 euros. Donc pour les Français et les Belges, évidemment, je dis 70 et 70. Donc il coûte dans les alentours de cette gamme de prix-là. Il est vraiment excellent, contrairement au petit bras de micro à 10 euros. Par contre, je ne le recommande pas pour acheter son premier bras de micro. Réfléchissez-y quand même. Et achetez un bras de micro à 10 euros. Ça fera le taf. Hormis que moi, il a duré, hélas, 6 mois. Mois et donc voilà, donc aussi nous avons allez à la fin de ce bras de micro nous avons un magnifique micro dont je vous parle, dont je vous chuchote avec ce bras de micro. Donc oui, donc ce magnifique bras de micro qui n'est autre qu'un Eagleton UM Trust qui est ma foi un très bon micro USB, malgré le fait que si je travaille j'ai entendu une voix dans mes trucs. Ça m'a pas fait plaisir. J'ai pas compris ce qui se passait. Je vais checker un truc. Voir je sais pas. C'est bizarre. La voix de mon casque m'a parlé. Évidemment parce que ce casque, oui, donc c'est le Corsair Void Pro RGB. Je vais vous montrer sa boîte qui est autre qu'ici. Qui est ce casque micro là, donc fourni avec un dock, comme vous pouvez le voir là. C'est un très bon casque, évidemment. Enfin, je le trouve très bon à voir en long terme, parce que je connais la qualité Corsair. Parfois, elle est un peu douteuse sur certains produits et ça peut claquer. Mais je peux vous dire que je vous ferai des retours au moins dans 2 mois. Au niveau de ce casque, d'ailleurs je vais l'éteindre parce que voilà, powering off comme la voix dit, le dit. Donc c'est un très bon casque, sinon je l'aurais pas acheté, mais il y a mieux pour cette gamme de prix. Il y a le Kingston HyperX Cloud 2 qui est un très bon casque micro aussi, qui a évidemment aussi le 7.1 émulé. N'empêche que je vous le recommanderais plus que celui que je porte actuellement. Parce que moi, c'est juste parce que j'ai un t-shirt Corsair, je suis fan de Corsair, quoi, j'aime bien Corsair. Voilà, Corsair, c'est ma vie, hein. Évidemment que c'est ma vie. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre, oui. Donc, niveau de mon matériel, donc on a parlé du micro, on a parlé du bras de micro. Donc ça, c'est un filtre anti-pop, le plus classique, m'a coûté 20 balles quand même, sur Audra, ça. Alors je crois que j'ai la boîte quelque part. Non, je ne l'ai pas. Donc vous voyez ici tout le bordel, c'est magique. Donc ensuite, donc nous avons aussi deux écrans qui vont certainement changer. Un de la marque Medion, Note 9 Money, j'ai envie de dire, et un de la marque Philips 23T, donc c'est une ancienne télé. Not enough money. Mais je compte investir pour deux écrans Yamaha. En fait 3,8 pouces. D'ailleurs j'ai même plus besoin de ça. De ce casque micro là. Parce que je l'ai éteint. Et donc j'en ai plus besoin. Et donc je vais le laisser se recharger tranquillement. Tranquillou. Donc voilà. Donc maintenant on va pouvoir parler d'un petit peu ce qui me sert d'ordinateur. Parce que oui, l'ordinateur pour un streamer c'est important, pour un youtubeur c'est important, et surtout pour le travail c'est important. Mon ordinateur c'est un processeur i7 5820K
de la famille de l'architecture Aswell E. Donc c'est pas, je sais pas si c'est un Aswell Refresh, je pense pas, mais je crois que si. Je crois que le E signifie qu'il est refresh. Il est overclocké à 4 GHz pour un VCore de 1.18 je crois de VCore. Je vais continuer à baisser un peu le VCore parce que j'ai juste baissé les gigahertz, c'est le VCore juste pour qu'il évite un peu trop de chauffer quoi, car ça me casse les couilles parfois parce que j'aime bien avoir un silence. Alors niveau de la carte graphique, c'est une 1070 de chez, que je dise pas de bêtises, de chez de chez Palette. Oui, la carte graphique est juste là. Je suis trop con aussi. Donc c'est une 1070 de chez Palette, donc extrêmement silencieuse, plus silencieuse que, ou bien tout aussi silencieuse que mon ancienne Extreme Gaming de chez Gigabyte. Mais bon, vu que j'aimais pas le design, bah je l'ai revendu et j'ai pris celle-là à la place. Bravo. J'aurais pu économiser environ 300 balles. Mais bon, je suis con. Mais bon, voilà. C'est des choses qui arrivent. Donc au niveau de la RAM, c'est 32 gigaoctets de RAM DDR4 à 3200 MHz de chez Corsair. C'est de la vengeance LPX noire. Niveau de l'IO, donc c'est un water cooling all-in-one, c'est un Corsair H108. Outil, si vous voyez que la lumière elle change, je crois que c'est à cause des LED. Donc les LED, on va les couper, les LED RGB évidemment, parce que je suis en fan de RGB de toute manière, vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo. Ensuite, dans l'intro de la vidéo qui me rend un petit peu de temps, on va se le cacher. Elle dure quelques secondes évidemment. Bref, donc voilà, donc j'aime bien les RGB. Oui. Là. Putain, j'en étais où moi? Oui, donc c'est un H108 V1. Chez Corsair, il va falloir que je le change. Il faudrait que je le change, effectivement. Il faudrait que je le change, mais not enough money. C'est chiant. Donc, ensuite, nous avons un SSD de 120 Go au Corsair LS 120. Encore Corsair. Faites chier, vous allez me tilter comme ça. Je le sens. Je le sens venir dans les commentaires, vous allez me dire « Ouais, fanboy Corsair, Corsair Forever !» C'est pas que j'aime bien Corsair, c'est juste que j'aime bien la qualité de finition des produits, en fait. Regardez ce casque, comme il est bien fini. Bon, ok, il est jaune, ça va pas plaire à tout le monde, mais regardez comme il est fini, quoi. Il est... je le trouve beau. Enfin, voilà, quoi. Plus ici ça s'illumine, ici aussi ça s'illumine, enfin bref, moi je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique, attention, le prix, 140€. Oh. ça fait mal 140€ dans un casque. Attendez 2 minutes. Il faut déjà que j'arrive à le brancher. 140 balles, ouais. Bref, on peut se le cacher, la 3/4 de produit de toute manière, je s'achète d'occasion à vie d'économiser un petit peu d'argent. Voilà, je suis pas un gros monsieur là, je suis radin, je veux garder mon argent. D'où le fait que j'achète tout en occasion, évidemment. Donc bref, donc on continue un petit peu. Donc il y a aussi un SSD encore de 120 Go de la marque KFA carré, KFA 2, Galax, si vous connaissez. Bref, de la marque Galax. Donc j'ai pas d'avis en fait sur ce SSD, je sais pas si c'était une erreur de ma part ou bien un bon truc, mais j'ai aucun avis sur ce SSD, voilà, j'en pense ni bien ni du mal, comme le Corsair LS en vrai, j'en pense ni bien ni du mal. Par contre, on vient au fait du SSD de 240 Go qui n'est autre que mon ZTAC T500. Bon, bref, le ZTAC T500. Alors lui, oh, lui c'est le Saint Graal des SSD que j'ai eu dans ma vie. Puisque il est performant, d'ailleurs c'est sur lequel il y a mon OS. 240 Go pour l'OS. Et pour les logiciels. Voilà. Et donc voilà, donc pour moi il est très rapide, il est très performant, qualité ZTAC, la très bonne cam. Attendez 2 minutes. De la très bonne cam, comme je vous le disais, c'est de la très bonne cam. Bon, sinon, nous allons venir avec l'alimentation, une RM1000, messieurs dames. Une RM1000, alors c'est encore du
Attention, attention. Corsair. Pourquoi le coq est du corsair? Bref, pourquoi que du corsair en fait? Parce que j'aime bien la qualité, comme je vous l'ai dit. Et que je suis un pigeon. Mais bon, la qualité, ça se paye. Pour ça que j'ai un P9 Lite, et pas un iPhone. Allez, voilà, seul petit pic pour les gens possédant des iPhones ou des Samsung, parce que je mets dans le même panier, parce que maintenant ils se ressemblent tellement fort. Voilà. Je vous bestos, j'avoue bestos. Enfin bref, donc voilà. Que dois-je dire en fait? Ah oui, j'ai oublié quelque chose de primordial. Ceci, ça. Ce qui est... Attendez, je vais vous montrer. Bonjour les viewers, c'est vous? Bon, je sais, mon écran est dégueulasse. Mais bonjour les viewers, c'est vous? Oh mon dieu! Bon bref, donc en gros la webcam, c'est une Logitech C920. Donc très bonne webcam qui fait du 720p 60fps et de la 1080p 30fps. Ça fait chier pour la 1080p 30fps, mais bon, je stream qu'en 720p 60 je crois. Donc je m'en bats les couilles un petit peu. En somme. Sinon, il y a aussi cette chose là. Donc je dois toujours faire un live avec pour la tester. Je la teste actuellement sur deux jeux différents. Deux jeux bien distincts. Fallout 4 et Ghost Recon Wildland. Alors, Ghost Recon Wildland, je l'ai sur Uplay. Uplay. Bref, vous avez compris. Sur le logiciel Ubisoft, machin dégueulasse. Donc je l'ai sur Uplay. Comment vous dire qu'avec cette chose là j'ai du mal. Ghost Recon Wildland, j'ai du mal. Fallout 4, donc j'ai sur Steam, que j'avais acheté l'édition collector. D'ailleurs j'ai toujours la boîte, mais j'ai revendu. Le Pip-Boy, j'aurais pas dû parce que je suis très triste sans lui. Sachant que je voulais acheter quelque chose à la base et j'ai jamais acheté. Je voulais acheter le micro là à la base, ça fait un an que je devais l'acheter. Comme ce casque, ça fait 6 mois que je devais l'acheter. Enfin, plutôt 3 mois que je devais l'acheter. Ce clavier, cette souris, cette tapis de souris, c'était pas prévu. Ça par contre c'était pas prévu, c'était sur un coup de tête parce que j'ai vu une très bonne occasion. C'était vraiment sur un coup de tête celui-là. Mais non, donc cette chose là, bien sympa, mais j'arrive pas à prendre la main. Encore heureux qu'il était en réduction. J'ai eu ce bitonio là avec... Ce bitonio là, vous voyez, le Steam Link. D'ailleurs, toujours pas installé, hein. Bah ouais, j'ai pas de suite gigabit. Vous voulez que je le fasse pour le faire fonctionner. Mais bref, ces deux bitonios là que j'ai acheté pour 50 balles. Ce truc là, le Steam Link, hors promo, coûte déjà une trentaine, quarantaine d'euros, je crois. Et ça, 50 balles, donc au pire, je suis content. J'ai pas fait trop de frais, je l'ai eu d'une manière assez très spéciale, enfin un petit moins 60% sur le kit. Un petit moins 60%, ça fait du bien. Surtout quand on dépense une fortune, évidemment. Parce que, oh putain, mon argent. Je peux vous dire que mon banquier, quand il a vu ce qui me restait sur mon compte en banque, il était triste. Il était très triste. Et je peux vous l'assurer. Il était très triste. Mais bon, voilà. Moi aussi, je suis très triste. Je vais être en mode... Bref, on va arrêter de troller, hein, les gens. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, en fait. Le vif du sujet qui va juste vous dire... Au revoir, yeah!